Bonsoir à tous, suivant l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo, c'est votre présentateur de l'émission Chronique Paranormale, John Sinclair. Aujourd'hui, l'équipe Elistar et moi-même avons décidé de vous proposer dans cet épisode 9, l'étrange histoire de l'île aux poupées. C'est donc à Mexico, bien loin des principales attractions touristiques de la capitale du Mexique, dans le district plus précisément de Xochimilco, qui est connu pour avoir de nombreux canaux sur lesquels les touristes peuvent naviguer, que se situe une île aussi mystérieuse qu'effrayante. L'île aux poupées, qui va devenir malgré la dramatique histoire qui rend ce lieu l'une des attractions favorites pour les adeptes du paranormal et amateurs de frissons. C'est dans les années 50 qu'un paysan de la région nommé Don Julian Santana décide de tout quitter pour venir s'installer en ermite sur cette île. Et c'est à peine installé qu'il a l'étrange sensation de ne pas être le seul occupant de ce lieu. Il apprit effectivement que l'île est tentée par le fantôme d'une fillette morte noyée dans les lacs. De plus, c'est Don Julian qui a découvert le corps de cette petite fille quelques années auparavant. Ainsi, pour éviter toute représailles surnaturelles de l'esprit, l'homme décide de transformer cette île en lieu de repos, en récoltant plusieurs poupées en porcelaine abandonnées flottant dans les canaux. Elles ont toutes pour particularité d'être atrocement mutilées et être dans des états peu reluisants. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Don Julian Santana mourut également noyé dans ces mêmes lacs où la petite fille a été repêchée, et de nombreuses questions sur les circonstances de sa mort demeurent encore aujourd'hui. Depuis la mort de l'ermite, sa famille a décidé de reprendre l'endroit et d'en faire une attraction touristique. Néanmoins, elle n'est répertoriée sur aucun guide touristique, probablement une volonté de l'État mexicain, considérant l'endroit comme maudit et donc dangereux. Il ne faut pas oublier pour l'anecdote que le Mexique, comme la plupart des pays d'Amérique latine, est un pays très croyant, mais aussi très ouvert sur l'étrange et sur le malin. Si les poupées les plus connues dans le monde, mais aussi dans le 7e art, comme Chucky, la poupée de sang, ou même Annabelle, ont la sinistre réputation d'être hantées par des esprits démoniaques, la réalité sur le paranormal explique qu'il est impossible que des poupées soient possédées par des démons. Mais elles peuvent cependant être utilisées pour distraire ou effrayer des personnes psychologiquement fragiles et généralement seules. Pour conclure cet épisode spécial sur l'île aux poupées, voici la théorie que j'avance, mais que ça ne reste bien sûr que mon interprétation personnelle de cette histoire. Je constate malgré tout des similitudes avec ce que je viens de vous décrire un peu plus haut dans la vidéo, c'est-à-dire je pense que Don Julian Santana a pu être influencé par le fantôme de cette fillette qui aurait très bien pu utiliser les poupées qu'il récupérait pour l'apaiser. Aussi, je pense que sa mort est liée au tragique destin de cette île et à ses poupées. C'était votre présentateur de l'émission Chronique Paranormale, John Sinclair. À très bientôt.